Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Ludovic59820. Si vous êtes sur cette vidéo-ci, c'est que vous êtes sur une vidéo montage. Ça faisait un moment que j'avais plus fait d'ouverture de collection de timbres. Oui, je suis philatéliste aussi, donc je vais en profiter. Donc, je vais commencer par l'une des achats récentes que j'ai fait, donc en timbre. C'est assez gros quand même. 10 euros pour un achat de timbre, c'est quand même pas mal. Donc, je vais vous laisser découvrir. Eh oui! J'ai préféré prendre le carnaval de Dunkerque. Donc bah, ça c'est le ah, c'est une des copies du bon d'achat. Je vais essayer de voir si ça rentre dans le classeur. En même temps, je vais vous présenter aussi les carnets que j'ai achetés. Par contre, ouais, ici problématique. Donc ça, je vais pas le noter. Hop, ici. Donc ça c'est à peu près toutes les collections de... Comment ça s'appelle? C'est les carnets complets. Carnets complets, plaques, comme vous pouvez voir aussi. Oh, je ne vais pas tout vous montrer non plus. Alors ça ici c'est... Après je sais pas, après moi je sais pas. Moi je dis que ça c'est une... Ah je sais pas. Après... Bon j'en ai deux. Mais je pense que ça, si je pourrais avoir l'avis d'un expert, juste pour avoir l'avis d'un expert sur celle-ci, quoi. Parce que des timbres comme ça, j'en connais pas beaucoup. Et les seuls que j'ai vus, c'était sur l'encyclopédie des timbres, avec les cotes. Et j'ai vu que un timbre comme ça pouvait chiffrer. Ça pouvait chiffrer, c'est très très rare. Et ça peut monter dans les... Ah, je l'ai acheté 11 euros. Je l'ai acheté 11 euros. Et j'ai vu que celui-là, il pouvait monter à 150, quoi. Ah non, celui-là, je ne le laisse pas partir comme ça. Donc, je continue encore. Bon, Napoléon, c'est pas trop ma tasse de café, mais bon. Il a quand même existé. Voilà. J'ai quand même mis ah oui, en fait, en même temps, sur mon petit setup, j'ai rajouté une lampe ici et j'ai ma lampe initiale. Ici. En fait, j'aurais dû acheter une deuxième lampe comme ça, en fait, mais bon, bof. Le résultat, il est pareil. Alors ici, ah oui, j'avais aussi le Puy du Fou. Je sais même plus si j'avais acheté. Je sais même plus si j'ai acheté. Non, il me semble pas que j'avais acheté au Puy du Fou parce qu'ils sont oblitérés. Donc, je les ai pas achetés au Puy du Fou. Je les ai achetés par, mais bon, c'est pas grave. Donc là, ici, hop. Je vais ouvrir une nouvelle page pour les timbres que j'ai achetés. Donc ça, ici. Je vais conserver ça ici. Bon, malgré que je l'ai imprimé, pour moi, ça fait quand même assez timbre. Donc, et en plus, ça fait une preuve d'achat. J'ai le truc. J'aurais peut-être pas besoin de le faire parce que regardez qu'est-ce que je vous réserve. Hop, attention. 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 Ah bah voilà, je pensais l'avoir ouvert comme ça. Donc maintenant, ici. Après, j'ai une carte qui va avec. Tant qu'à faire, autant que je le mette. Donc surtout pas plier. Donc là ici, bon moi bah, c'est l'envers. J'aurais même pas dû le tourner. Donc. Franchement, je l'ai acheté combien? J'en ai acheté 4. Franchement, 4 c'était suffisant. Encore insuffisant. Ce que j'aurais bien voulu avoir aussi, c'était. Attends, que je dis pas de bêtises. Il y a un temps ici. Nanana, ici, tu vois, en carnet collector, je suis un plus format. Timbre format horizontal à 2 euros. Mais en fait, ah non, c'est bon, c'est horizontal. Je dis n'importe quoi. En fait, si je l'ai, en fait. Donc, par contre, ah, ça, c'est un petit problème. Ça, c'est la petite problématique. Ah là là, je sais pas comment je vais faire. Bon, moi, bah, je peux pas le mettre à l'intérieur. Bon, moi, bah, il faudra juste que je fasse gaffe parce que. Sinon, si je le défais, ça va perdre de sa valeur. Donc, il faut surtout pas le. Surtout pas le dé. Ici, vous voyez, il y a des petits points étillés ici. Et il faut pas surtout pas faire ça, quoi.
Pourquoi il faut pas le plier? Plus ou moins, c'est plus difficile à conserver quand c'est... Ah si, c'est plus facile à conserver quand tu l'utilises, mais c'est mieux de le conserver comme ça. Comme ça, la personne, elle peut voir en entier les deux trucs, quoi. Donc voilà, ici, bon, donc finalement, je vais mettre... du coup, je vais laisser ça aussi. Je vais laisser ça. Donc, il y aura que la carte. Je vais laisser ça ici. Et puis ça, je vais le mettre comme ça. En bon. Comme ça, j'aurai une protection. Hop, ici. Voilà. Donc voilà, ici. Donc moi, j'ai mon carnet. Et puis ici, je vais pouvoir défaire ici. Ne pas plier, bien sûr, évidemment. Ici, je vais pouvoir découper ici et ici. Parce que, d'après vous, l'enveloppe, à la rigueur, j'en aurais pas besoin. L'adresse, j'en aurais besoin, par contre. Non, ça c'est le timbre de collection très spécifique à tirage hyper illimité. Non. Au pire, non. Je veux bien le faire partager, mais le vendre, non, certainement pas, quoi. Donc voilà, ça c'est en affranchissement. Alors, je vais faire gaffe. Voilà, ici. Conserver ça. Voilà, conservé dans son intégralité. À la rigueur, je pourrais peut-être faire ça. Il faut juste que je pourrais peut-être faire ça pour ici. Voilà, ici, hop, comme ça. Ça, à la rigueur, je... Au niveau timbre, ça, et puis ça va passer sur l'autre, ça va certainement... Ah ben non, je pourrais même pas, je suis obligé de le mettre à l'intérieur de celui-ci, tant qu'à faire. Donc comme ça, hop, ici. Comme ça, il est conservé avec celui-là. Hop. On voit ça, ici. Ah zut, Ah non, c'est... Ah oui. Ah bah attends, je peux même conserver le truc en plastique. Ça peut être toujours très utile. Par contre, l'enveloppe... désolé pour l'enveloppe. Hop. Ouais, c'est ça. Oh, j'ai fait 8 minutes pour un truc comme ça. Bon, c'est pas grave. Bon, ça, comme c'est une collection assez particulière. Donc, ici... Donc ça, c'est quoi? Non, ça c'est des affranchissements particuliers. Ça... Hop, non, ça ici. Hop, et ici, donc ça pour recompte. Non, hop, excusez-moi, il y aura des coupes. Donc ici, donc c'était quoi? C'est... Ah, non, bah non, ça c'est... Ah bah non, genre, ah bah j'aurais pu mettre... Wow. On voit que je les ai pas ouverts. Si je vais pouvoir mettre. Excusez-moi, hein, je vais pouvoir mettre. Je vais pouvoir mettre le timbre. Allez. Je vais pouvoir mettre ce timbre-là ici. Donc là, ici, hors français particulier. Donc ici. Tiens, je me mettrai comme ça, tiens. Ah bah non, ça c'est une catégorie à part, hop. Donc ici, hop, Belgique. Donc ça c'est particulier. Ah, ça c'est des Corée. Vous avez quand même, j'ai une sacrée collection de Corée quand même. De timbres de Corée, pardon.
Tiens, si je vais pouvoir mettre celle-ci. Je vais pouvoir mettre celle-là ici. Hop. Bon, ne faites pas attention aux chiffres, hein, c'est juste pour savoir combien j'en avais, quoi. Voilà, ceci. Ici. Hop, ouais, bon, ouais, je peux mettre là. Ah, j'ai. Ron Weasley en timbre, bon, il a un prix un peu cher, mais c'est pas grave. Hein. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise comme ça, hein, le timbre, c'est difficile à faire. Alors, je vais sortir ma boîte de... Je vais sortir ma boîte de machin. Ici, alors, ici, c'est quoi? Celle-là, c'est qu'est-ce que c'est? Beaux-Arts. Ah, bon, là, le truc de franchissement. Oula, par contre, il y a du... Là, par contre, il y a du travail. Hop. Donc ici, alors, là, il va certainement avoir des doubles, faire gaffe parce que ici, j'ai pas le droit de tout foutre en l'air. Ça, c'est particulier le triage, hein, c'est moi qui vous le dis. On va faire comme ça, on va faire section par section. Donc ça, c'est République française, ça, je vais pouvoir faire attention à ça. Ça, c'est pareil, donc on va faire comme ça. Ça, oui, faut... Ah, tiens, je vais pouvoir... Ah, j'en ai des comme ça, moi. Ici, ça, c'est pour après. Ah, là, par contre... Ah. Ouais, c'est bon, ça s'enlève. Ça, c'est... Pour essayer, je crois que ça doit être... Il me semble que c'est Pologne. Non, Russia, ça doit être Russie alors. Donc là, pour l'instant, en attendant, je vais mettre ça ici. Alors, ça c'est une collection particulière. Hein. J'obsède quand même. Donc ça, c'est. Ouais. Donc ça, c'est Marianne. Ça, à la rigueur, je vais le mettre là parce que je ne sais pas si c'est. Non, c'est pas Marianne. C'est pas des Marianne. Donc ça, c'est pas Marianne. Ça, si. Ça, je pourrais pas. Non, je pourrais pas mettre ça dans les Mariennes. Attention. Jules. Ça, ici. 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 Attention. Fragile. Parce qu'il y a des Mariennes. Non, tiens, j'ai même des versions plus petites de banane. Ah, la banane. Et la banane. Pardon. Gloire à la banane, gloire à la banane. Gloire à la banane, ta 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 ta. Hop, ici, ça, c'est des affranchissements particuliers. Ça, le lapin, il faudra que je regarde, ça doit être particulier. C'est pas encore parti France. Attends, ça, c'est, ça, ça va dans ça. Ça, je vais pouvoir le remettre. Donc, ça, c'est des affranchissements particuliers, particuliers. Ça, c'est autre, c'est... C'est pas encore tout à fait dans cette section là, ça c'est hop. Ça c'est quoi? Ah oui, j'ai carrément conservé. Ouais, ça c'était un courrier que la poste m'a envoyé pour les timbres. Donc ça ici, ici, ici. Donc ça c'est pas la même chose. Alors, je conserve aussi, c'est toujours très important. Ça peut être toujours très utile, c'est des affranchissements. Donc ici, ah, non, là, une nouvelle Marie. Ah, je ne peux pas dire si c'est une Marianne, mais bon. Normalement, si c'est là. Alors, des boucherons, je dois en avoir des... Ah bah tiens, ça j'ai... Bon, je vais le conserver quand même. Donc ici, bon, de toute façon, j'ai la collection complète. Alors ça, appuie... Ah non, c'est Espagne. Je moi. Donc, clac, ici. Ici. Ça, c'est... République française. Oh. Indonésie. Alors, ça, ici. Ça va avec celle-ci.
Donc ça va ici. Attention. Ah. Attention, fragile. Attention. Doucement, 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 doucement. Voilà, ici. Voilà. Par contre, bon, c'est un peu plié. Ça, c'est pas grave. Ici, 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 tout doucement. Attention, timbre. Donc ici, donc ça cherche collection cœur. Ah oui, j'ai conservé aussi le... Moi j'appelle ça des timbres, mais c'est pas tout à fait des timbres, mais ça peut... Ah, je peux le mettre aussi dedans. Tiens, un rappel. Ici. Hop. Ici. Hop, ici, je suis sûr que je l'en ai déjà. Ici. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà, affranchissement ici. Bon, maintenant on va les prendre, faire très attention parce qu'il y en a des, il y en a des super très intéressants. Et on ouvre la porte. Ah mince, ça commence bien. Bon, moi c'est pas grave, je serai obligé de faire une marche arrière. Oup. Attention, hop, fragile. Alors, ici, 2 centimes, 2 centimes de cette collection là. Ah, j'en ai pas. J'en avais pas. Tiens, ça tombe bien. Ah non, c'est 2 centimes d'euros. Je me trompe. Donc, là, d'abord, celle-là, on va faire très attention. Hop, hein, si je dois certainement en avoir. Du coup, hop. Ah, celle-là, je ne l'ai pas. Je peux la mettre. Je peux la rajouter. Attends, c'est très particulier, cet imbro-là. Alors, écopli. On est compliqué. Oh, je l'avais pas non plus celle-là. Non, je l'ai pas. Donc ça c'est sûr, je l'ai pas. Dis-moi pas. Je vais juste regarder un truc. Hein. Oh, il y en a tellement des variétés, c'est impressionnant. Je vais regarder parce que je pense qu'il y en a derrière aussi. Aïe. Ah non, il n'y en a pas des. Il n'y en a plus. Il y en a. Attends. T'es sûr qu'il n'y en a plus d'autres comme ça? Bon, on va voir, on va faire attention. Oula, j'ai des timbres qui n'existent pas. Comment je fais? Je les mets là ou pas? Ah bah tiens, la banane, c'est le là, bah, je l'ai. Je l'ai déjà. Donc celle-là, en double. Ah donc, attends. Faut que je fasse... Attends, je vais faire comment? Je sais comment je vais faire. J'ai utilisé une petite plaque. Voilà, ici. Voilà, ici, hop. Donc ça, je vais faire très attention à ça. Voilà. Bon. Elle est un peu plus cireuse, c'est pas grave. Hop, et ici. Donc j'utilise... Oh, pardon. Donc, je recevais des timbres comme ça. Je dois faire très attention. Ça, ici, 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 comme ça, je vais pouvoir les regarder un par un. Sans trop être embêté. Ici, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, celle-là, bah, c'est un double. C'est une double, mais... Ah, mon chambareuil. Alors, je sais pas. Alors, je conserve laquelle. Et la couleur, elle est pas... Elle est pas tout à fait la même non plus. Hein, je regarde. Il y en a une qui est beaucoup plus foncée que l'autre. Ouais, il y en a une qui est beaucoup... Ah, quoique, non. Ah, quoique. Ah si, il y en a une qui est beaucoup plus foncée. Bon, de toute façon, je vais la conserver, c'est jamais. Allez savoir, il y a peut-être un petit échange.
Donc ici, voilà, attention, je vais pouvoir rajouter celle-ci aussi. Bon, ce qui me dérange, c'est que je suis sûr que... Celle-là, ici, oh, oui. Celle-là, elle a l'air d'être bien protégée, mais malheureusement, je sais pas, entre celle-ci qui est oblitérée, mais qu'elle est protégée, elle est protégée, mais donc, ça perd de plus ou moins de sa valeur, je sais pas. Mais, pareil, on dirait qu'elle a pas la bonne couleur, elle a deux couleurs différentes. Donc finalement, j'ai conservé les deux, dans le doute. Et avant de faire le tri, je vais voir si j'ai pas d'autres pages, je vais voir comment je vais faire pour tenir les plans. Voilà. Donc j'ai intérêt d'être très 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 prudent. C'est juste pour voir s'il n'y a pas d'autres... J'ai tellement de... Ah bah si, je me doutais bien que j'en avais des autres. Ah, tchap banane. Bon. Alors, faut que je regarde aussi un autre truc. J'ai mis où... J'ai mis un petit timbre, ce petit timbre de banane. Non, elle est pas avec cela. Attention, attention, attention. Ok, donc attends, ici, donc là je vais revenir un peu en arrière, donc on va déjà voir ça ici. Oh, doucement, 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 ok, voilà. Ah, j'ai un double. C'est laquelle qui est un peu mieux conservée? Oh, celle-là, mais on voit mieux la tête. Hop, hop, double. Non, ça c'est. Ah, si, j'ai la semeuse. Ah, j'ai la semeuse, mais beaucoup plus foncée. Et. Ah, tiens, l'oblitéré, il a l'air d'être un peu mieux. Voilà, ici, hop, comme ça on va le placer ici, celui qui est un peu mieux quoi au visuel. Donc. Oui, j'en ai une nouvelle, j'en ai un nouveau type. Ah, j'en ai une 35 centimes, j'ai trouvé une 35 centimes de celle-ci. Bon, bah, celle-ci, je peux la mettre par là, par contre, celle-ci, je peux faire comme ça. Ah, bah finalement, je vais pouvoir conserver celle-là, j'en ai un double. Alors, ici, hop. Voilà, bon, ici. Ok, bon, bah, pour là, ici, j'en ai peu, j'ai pas l'air d'en avoir d'autres. Alors ici j'ai une souris de collection 2 centimes mon gars. Alors après.
j'en ai déjà pas mal. Hop. 3, c'est déjà beaucoup. Donc, hop, il y en a une qui va partir en collection, en double. Double, hop, double. Donc ça je vais le faire après. Attends, on va faire attention à ça. Donc ça c'est non, c'est plus des spécifiques. Donc on va repartir sur le début en faisant très attention. Hop. Boum. Aïe 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 aïe. Non, non. Non, mais comme ça, j'en ai pas. J'en avais pas de en écho plus comme ça, j'avais pas l'air d'en avoir. Bon, ah super, j'en ai une de plus. J'en ai une de plus qui a l'air d'être, elle a l'air d'être neuve celle-là. Attends, elle est collée ou pas? Ah ouais, non, bah non, elle a été oubliée, elle a été collée. Donc à mon avis, elle a certainement été oblitérée, mais peut-être pas, ouais. Du coup, bah ça ici, comme c'est des particulières, je les mets ici. Ça fait deux de plus. Non, celle-là, je l'avais pas vue, je l'avais pas vue non plus. Ah, oh. Ah, celle-là, je l'ai en neuf. Oh. Donc celle-là, je vais la mettre ici. Ah, oh, je l'ai carrément en neuf. Oh, en neuf. Est-ce qu'elle est neuf? Ouais, si, elle est neuf. Allez, considérée neuve. Ah, là, ça va valoir. Celle-là, par rapport à les opitérées, elle coûte un peu plus cher. Donc, bah, finalement, si, il y en a une de plus. Hop, ici. Ah, si. Et, bah, je l'avais pas, celle-là. Je l'ai pas par contre, j'ai pas le prix. Donc comme j'ai pas le prix, je vais quand même. Oh, j'aurais peut-être dû conserver, tant pis, c'est pas grave. Ça c'est une erreur débutant, mon gars. Et encore, je sais même pas si ça vaut le coup de conserver ce truc là. Hop. Ah si, hein, regardez, c'est la même. Bon, les coups, tant pis, allez, celle-là, pour la déplacer, celle-ci, ça va être une problématique. J'aurais peut-être dû la mettre sur une feuille. Oh, quoique non, c'est bon, ça bouge quand même. Hop, attention à la cornure. Alors, comme ça. Non, celle-là, je la connais. Ah, celle-là, je l'ai pas encore vue. Ah, si. Tiens, hein. Ah, bah, si. Bah, si, ça prend centimes. Bah, pourquoi celle-là, elle est en francs et celle-là, elle est en 85 centimes?
Bon, pas compris. Bon, c'est pas grave. Oh, c'est comme ça, faut pas chercher à comprendre. Hein. C'est peut-être un... Alors, 58 centimes, par contre, je peux n'en mettre qu'une. C'est laquelle la plus belle que je peux mettre? Bah, franchement, celle-là. Je vais mettre celle-ci, mais bon, le problème, c'est que celle-ci, elle est ici. Bah, je vais mettre celle-ci. Je vais mettre les trois comme ça, regardez, hop. On va la glisser en dessous. Allez. 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 Oui, c'est parfait. Oh là. Attention, 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 attention. Hop. Donc ici, ça m'a fait 3. Ça me fait 3 doubles. Ah, ici, ah, la banane. Et la banane. Et la banane. Oh, bah non, celle-là, de toute façon, j'en ai des tomes. Celle-ci, elle vient de... Bon, celle-ci, j'en ai des... J'en ai des tonnes, des comme ça. Par contre, tu vois, il y a un détail que j'ai pas. Regardez, j'ai un détail que j'ai pas. Elle est de 20 grammes. Et sur les autres, elle n'y est pas. Donc c'est un détail. Hop, on course. On upset, on fait style de pas savoir. Oh si on sait, oh, si on peut faire ça, on peut pas faire semblant. Non. Vous connaissez les néons? Ah ben moi je suis pas en néon, je suis en liade. Donc là ici, et celle-là, bah, comme c'est une particulière que je connaissais pas encore. Oula. Attention, et je vais la mettre ici, je vais la glisser ici. Donc je tourne. Est-ce que j'ai des étrangères? J'en ai pas l'air d'en avoir vu. Attends, ici. Ici, ah oui, d'accord, ici, ouais, je vais pouvoir mettre les Européens et tout. Hop, 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 on va trier, on va continuer à trier ici. Donc ça, c'est des particulières. Particulières, ça, c'est des comme ça ici. Ça, c'est des particuliers en France. Ah, Europa. Magnifique, je l'ai pas. Ah, c'est bon ça. Je pensais avoir fait bêtise. Ah non, celle-là, elle est... Ah non, 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 non. Ah non, celle-là, elle est collée. Ah, c'est la problématique. Ah non, 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 ça allait coller, allait coller, allait coller. Ah non, ah, ouf, elle est décollable. Par contre, aïe, aïe, aïe. Non, elle n'est pas si collée que ça. Elle est juste. C'est bon. Oh, fou. Ah non. Donc, ouais. 60. Hein. Voilà. J'en ai. Donc, ici. Sans que ça vole là. Ça, c'est centenaire. Je sais pas. Oh. Donc ça c'est très particulier, ça c'est non, ça c'est écrit Rudy Rudidia. Non, je sais pas si ça ressemble à... Donc ici, donc ça c'est quoi? Ça c'est Canada. Canada, ici. Botnani, ça c'est une particulière. Salut les copains. Néerlandaise,
République française, ça va là, ça vient ici, ça vient ici. Oh, attention, oh là là. Ça je l'avais dit, je l'ai mis, je coupe en double, Mongolie. Mongolie, hop. Mongolie, ça vient ici. Ça, c'est des quoi? Ça, c'est des timbres particuliers. Hop. Hop. Non, ça vient ici. Oh, attention. Oh. Parce que là, j'ai pas envie de m'abaisser pour ramasser des timbres. Oh. Ça serait pas problématique, mais ça serait un petit peu embêtant. Donc ça vient ici, ça vient ici, ça va venir ici, ça va venir là. Ça, c'est des timbres particuliers, donc c'est autre chose. Je vais le mettre là en attendant. Donc là, ici, 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 bonne fête. Bon, ben moi, je vais m'arrêter là. Oh, purée, j'ai... Alors, c'était la fin de vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu. Bon, je vous présente ici parce que moi, c'est mon décoration. Ou en bas de la ligne rouge. De vous abonner pour voir les vidéos à venir et anciennes, si vous voulez. Si ça vous a plu, bien sûr. Allez, je vous dis salut à Tartous et à Tartous.